whole idea, to me, to the people that we work with, is to find some kind of personal truth, some kind of revelation. Film is, to me, just unimportant, but people are very important. People get all upset over things that really don't matter, like politics and religion and things like that. They take offense at things to such a great degree that they miss the good time. We have to have a good time, otherwise we die. Je suis en Agi depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, ou presque, je vois tous les spectacles de Florent. Quand toi, t'es étudiante au cours Florent pendant 3 ans non-stop et que tu sais qu'il y a 20 élèves qui ont la chance de jouer dans une salle comme ça en fin de cursus, bah c'est forcément, ça fait envie. La pièce qui m'a donné envie de faire du théâtre, c'était The Shoot de Peter Brook. Je l'ai découvert au Bouffes du Nord et je joue 4 ans après au même endroit. Et c'est un lieu qui se suffit à soi-même. C'est le théâtre. Je suis très content de partir de cette école là-dessus. J'ai décidé de travailler à partir de La Mouette, Platonov, Oncle Vania, un petit peu Ivanov de Tchekhov. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. Et beaucoup de films de Cazavette. On ne raconte pas l'histoire de La Mouette, ni de Platonov, ni d'Ivanov, mais plutôt l'histoire de jeunes gens qui vivent des histoires d'amour qui finissent plus ou moins bien. Toutes nos passions, toutes nos névroses, toutes nos peurs, tout ça s'est condensé dans beaucoup de ses pièces, mais dans Platonov, c'est d'une richesse incroyable et le gars écrit ça à 17 ans. C'est fou, et Cassavet, c'est un lien en fait entre Tchekhov et nous, et qui brûle de vie, quoi. Qui a soif d'acteur, donc c'est pour ça que c'est le lien entre Tchekhov et nous. Et c'est cette espèce de débordement qu'il y a chez Cassavet, c'est Tchekhov qui est à la fois magique à jouer parce qu'il n'y a rien à faire, et en même temps, être concret là-dedans, c'est tellement dur. C'est criant de vérité, quoi. C'est très humain, ouais, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et c'est des textes qui donnent envie de vivre. Je n'ai pas honte de mon amour pour toi. Vous n'avez pas le droit de me soupçonner. Grâce, tiens, débrouille-toi. Pour moi, Tchekhov, les scènes qu'on voit sont souvent des accidents de la scène principale qu'on ne voit jamais. Plusieurs scènes de plusieurs pièces différentes, donc forcément, il y a tout un schmilblick pour raconter une histoire à travers tout ça. Et je leur ai demandé de créer à côté, que nous, spectateurs, nous ne verrons pas non plus, les scènes, la scène principale. Et donc, ils viennent pour jouer l'accident de la scène devant nous. Elle veut que pendant 2 heures, on ne soit plus nous, mais qu'on soit vraiment notre rôle. Et qu'en coulisses, on ne se parle pas en tant qu'acteur, mais en tant que personnage. C'est ça qui maintenant est en jeu. Ce n'est pas parce qu'on vous écoute que vous avez le droit de dire tout ce qui vous passe par la tête. Je pense que c'est un super groupe cette année. Catel y est pour beaucoup. Ils sont ensemble, ils ont envie de raconter une histoire. Ils ont compris l'idée de « si un jour tu as besoin de ma vie, viens et prends-la », qui est une phrase de La Mouette de Nina. Ça s'écoute, ça se marche pas dessus. Ça s'entraide, il n'y a pas de petit regard au coin, il n'y a pas de tout ça. Tout le monde est content d'avoir son petit personnage et en même temps d'être au sein d'une grande famille. Ça prenait un beau spectacle, ce groupe-là. The film would never have been completed if it wasn't for everyone's total interest in the human problem.